Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, dans la ligne des retests trio et CG endurance pour la passion, pour s'amuser. Donc je vous l'avais dit, on va retester ce personnage là, personnage qui a une carte absolument magnifique, sorti à la Golden Week avec évidemment l'arc sel. Alors, personnage qui de base est un nuker, hein, c'est-à-dire avec les keys, hein, sauf qu'il crée pas de keys. Donc déjà, ça commençait pas bien pour lui, alors les dégâts déjà de base étaient vraiment pas mal du tout, mais bon quand même très très dépendant des keys. Mais la défense, même à sa sortie, était vraiment à la rue, hein, c'était vraiment insuffisant. Bon, et évidemment, même aujourd'hui, ça restera insuffisant, mais pour autant, vous allez voir que c'est pas trop mal. Mais bon, après, le perso n'a pas d'autres mécaniques défensives, donc c'est très compliqué. Mais niveau dégâts, par contre, ça envoie. Niveau dégâts, vous allez voir, ça envoie, c'est assez impressionnant. Donc voilà, potentiel intéressant pour le ZLR, mais c'est pas tout de suite, hein, c'est clairement pas tout de suite. Mais voilà, en tout cas, pour s'amuser, il y a moyen de faire quelque chose. On est parti, let's go. Wiki. Bon, c'est déjà raisonnable. Hein. Alors, de mémoire, on a... ouais, c'est ça, 58, 58, 116. Les deux trios sont actifs. Et derrière, on gratte 30 sur l'SP, je crois. Hein. 30, il a quoi? Il a... il a une SP en plus à 20 qui. Ouais. Donc, 2 SP garantis, le trio, 1.9. Bon, 1,2 million de def, le truc c'est qu'il a rien d'autre. Ah là, il a rien d'autre, hein. Il a aucune autre mécanique, donc ouais, c'est... Ouais, on peut pas faire grand-chose. Après, bah, le perso, il commence à dater, hein. Voilà, bah, forcément... Bon, 1,2 million... En fait, pour remettre le contexte, ce perso, il est sorti avant les 7 ans. Enfin, sur la glou, sur la jap, c'était juste après. Donc si on remet dans le contexte, t'avais la red zone, bon bah là, avec ces valeurs-là, il tankerait toute la red zone avec de la def pure, mais bon. Voilà, bon après, là en l'occurrence, là maintenant, aujourd'hui, on fait avec 1,2 million, on va pas faire grand-chose. Hein. Mais ce qui risque d'être intéressant, c'est pas tant la def, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'avoir de miracle, mais les dégâts, par contre, il y a moyen que ça fasse vraiment mal, hein, par contre. Hein, parce qu'il faisait déjà des bons dégâts, ce perso. Bon, le problème, c'est que le trio à tout le monde va tuer. Voilà, surtout que le boss est ultra fragile. S'il te plaît, stop. Merci. 16 millions. Oui. Eh oui. Eh ouais, c'est pas mal. Là, pour le coup, les dégâts, vu l'ancienneté, c'est... Ah, c'est plus que... Bon, il y avait double support, mais quand même... Ah là là, ouais. Bah, mais on fera pas mieux que ça, hein. On fera pas mieux que ça. Non, mais en fait, c'est pas qu'on a besoin de dégâts ou non, mais forcément, tu sors un LRP jaune en 2024 s'il fait... Enfin, voilà, s'il fait les dégâts que Biobroly va faire, ça fait un peu tâche, quoi. Mais là, pour le coup, c'est pas gênant, effectivement, de toute façon. On n'avait pas besoin de dégâts et il fera très bien son taf. C'est très très bien, les SP sont bien. Non, franchement, c'est top. Franchement, c'est très bien. A voir s'il y a des équipements uniques. Avec 14 millions. L'additionnel. La triplette. Et c'est oui. Et c'est oui. Ouais, ça m'aura arrangé de pas tuer 17 millions. Eh, Mirigwan, fais des autos. Ne crit pas. Ne tue pas l'adversaire, s'il te plaît. Please. Ne le tue pas. On est pas pressé, frérot. Stop. Ne crit pas. Merci. Oh là, mais ça, c'est vraiment mon goût. Hein. Je lui dis pas, crit pas. C'est incroyable. Tu veux spé Gogeta? Écoute, il faudrait que tu aies au moins 4-5 millions de plus pour me toucher, mais... Enfin, même plus que ça, en fait. Ah non, en fait, la S, c'est... Faut que le boss ait 59% PV au moins. Ou alors, 7ème tour. Bon. Donc c'est... Ouais.
C'est un peu long. Bon, faut que ça tombe bien, quoi, mais... Bon, il va faire des, monnaies. Hein. Vite, le combat est fini là. Dans sa sortie, il était déjà pas incroyable hein, parce que. De toute façon, un nuker qui crée pas de ki, par définition, c'est un problème. Hein. Donc non, bah il tapait fort, mais ouais non, c'était compliqué. Bon, Bulma qui va pas faire le kill, hein, clairement. Bulma. Trop de passion disponible, les gars. Oh là là, bro, non! Ne m'attaque pas, pitié! Tu fais trop de dégâts! Quand je vois cette SP, je me souviens de la première red zone Broly, les gars. Et Broly Kari qui nous mettait déjà des dégâts assez vénères à l'époque. Hein. Bah ouais, en même temps. Ça lâchait du 600k direct, deuxième phase. À l'époque, c'était déjà pas mal, hein. Ouais, ou peut-être 700 dans ces eaux-là, en tout cas, mais. Ah, les dégâts sont très bons ce perso en vrai. Hein. Bah, 3 ans à la prochaine Golden Week, ouais, c'est ça. 3 ans à la prochaine Golden Week, c'est vraiment des très bons dégâts. Des très bons dégâts en vrai. Après, voilà, la défense par contre. Bon, dans la Team G-Trio, ça reste. Enfin, voilà, ok. Pour l'ancienneté, c'est correct, mais bon, dans les faits, on peut pas en faire grand chose. Quoi. Non mais je t'avoue que GT ça sera pas nécessaire. Ça ne sera pas nécessaire non. Ah ouais. Trop de Kirinbow. Trop de Kirinbow, tu le Kirinbow. Ouais, bro, t'es nul. Ouais, Laurent. Ouais. Non, mais en vrai, Predator, à mon sens, il n'y a aucun moyen. Aucun moyen. Surtout quand tu regardes les éveils et tout. Pour moi, non, il n'y a aucun moyen. En plus, tu voudrais faire quoi en vrai? Genre, il n'y a aucun moyen.
tenu un Migaté récemment et tout. Y a aucun moyen. Surtout que, voilà, les 9 ans étaient full des bestes. Y a aucun moyen, c'est impossible. Bon, ouais. Voilà. Donc... Bon, cet AS, c'est le poulet, hein. En vrai, j'y vois un peu les prémices des spé inventés un peu, quand on regarde bien, parce que même si l'inspiration est toute vue, mais en vrai, les plans sont plus ou moins inventés, hein. Donc, c'est un peu les prémices des spé inventés, ce truc-là, hein. Et même la qualité, ça se voit, hein, c'est assez semblable. Bon, bah Broly, t'es dans la sauce, hein, frérot, hein. Bah oui, hein. Tiens. Voilà. Chou. Diable. Bon, le Gohan... le Goku Gohan Tech, hein, bon, voilà, c'est... pas faire grand chose, mais ça tape bien, hein. L'air dans le futur, ça risque de tabasser la gueule. Et après, bon, voilà, la défense, évidemment, c'est trop faible, hein. Il faut qu'il ait des mécaniques, faut qu'il crée des kills, faut